Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, je vous fais une petite présentation des applications que j'ai installées sur mon iPad. Donc pour commencer, je vais vous présenter donc mon dock. Donc euh, le dock est constitué notamment de beaucoup d'applications d'Apple donc FaceTime, Mail, Safari et Musique. Après si on prend donc la première page du springboard, j'ai euh, l'application Message d'Apple, calendrier, photo, appareil photo. J'ai installé aussi l'application YouTube euh, qui n'est plus nativement euh, sur iOS. J'ai contact, horloge, plan d'Apple, note, rappel, météo de Yahoo. Donc, euh, une petite application euh, vraiment bien faite avec euh, de, un beau design. Après, j'ai Game Center, iTunes Store, euh, App Store, les réglages. J'ai aussi un petit dossier euh, contenant euh, toutes les applications Apple, donc euh, iPhoto, iMovie, GarageBand, Page, Keynote et Numbers. Après, j'ai rajouté euh, Localiser, euh, Kiosque et Photo boot. Si je continue, après j'ai Vidéo, iBooks et deux petites applications où je suis rédacteur, Mac Preview et Geeky Preview. Donc, je vous invite à y faire un tour. Je mettrai donc, les liens. Des sites dans la description de la vidéo. Ensuite, sur la seconde page, j'ai Facebook. Ensuite, j'ai page de Facebook qui me permet de gérer les pages euh, dont je suis à main. À droite, Spotify et Deezer. Donc, c'est ce qui me permet d'écouter mes musiques, euh, bah, les radios en ligne, etc. Après, j'ai Twitter, Google Earth. Sysplay, donc c'est les euh, l'application de W9 M6 et Sister. Donc euh, notamment des vidéos en replay ou en live après MyTF1. Ensuite, si je descends donc j'ai Flight Radar 24 euh, donc c'est ce qui me permet de savoir où se situent les avions dans le ciel. Après j'ai Allociné. après Canal Football App donc c'est une application qui me permet euh, de savoir en temps réel les euh, les matchs de la Liga euh, qui sont diffusés euh, donc sur Canal+. Après j'ai euh, InstaShare donc euh, j'avais fait une petite vidéo présentation euh, sur ma chaîne YouTube donc c'est ce qui permet de transférer les fichiers de mon de mon iPad vers mon iPhone ou mon Mac ou inversement de mon Mac vers mon iPad ou mon iP euh, mon iPhone pardon. Ensuite j'ai euh... Ensuite, j'ai euh, Jetez-vous à l'eau. Mais et euh, swapi donc euh, la version 2. Donc c'est un petit jeu Disney un peu un peu enfantin mais que plutôt pas mal. Je m'amuse bien avec. Après, j'ai euh, WordPress, euh, donc ce qui me permet de rédiger donc des articles sur euh, Mac Preview et Geek Preview. Ensuite, j'ai Geekbench 3, donc ce qui me permet de mesurer les euh, les performances de mon iPad. À droite, Real Racing 3, donc je suppose que vous connaissez. J'en avais fait une, une, un aperçu euh, sur ma chaîne YouTube il y a à peu près un an. En dessous, j'ai euh, Football Manager euh, Held, Donc euh, merci à Apollo de me l'avoir offert lors de ses concours. C'est une application de football euh, de manager qui me permet de, de gérer des équipes. Et ensuite j'ai Flappy Bird et Splashy Fish, donc je vous l'avais présenté dans une précédente vidéo euh, concernant aussi les applications euh, que j'avais sur mon iPhone. Voilà donc si vous avez aimé cette vidéo donc n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux, à mettre un petit pouce vert, à commenter aussi la vidéo et puis moi je vous dis à bientôt, salut!